Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On est avec Slan, Damned et Katox. Salut tout le monde. Salut, il est infecté. Salut. Non, je ne suis pas infecté. Bien mourir. Bon, écoutez les gars, je crois qu'on a vraiment bien bossé ici. Et j'ai eu des bonnes nouvelles à la radio. Apparemment, la ville de Louisville, elle est safe, tranquille, pas de zombies. On a juste à se rendre là-bas et on sera en sécurité. À nous les boîtes de nuit, les croissants, les baguettes... et tout ce qu'il faut. Et bien nickel. Évidemment, c'est sûr et certain qu'il n'y a aucun zombie, on peut te faire confiance. Il n'y a pas de zombie, écoute, ils l'ont dit à la radio. Ouais, donc si ils l'ont dit à la radio, c'est que c'est vrai. Si la radio le dit, c'est que tout va bien. Bah, bon, t'as façon, tu sais comment y aller du coup. Ouais, faut suivre la route. Ah, c'est moi qui conduis. Non, c'est pas moi non, qui conduis. C'est moi qui conduis. Non, Damned, alors... c'est pas toi qui conduis. Non, c'est pas moi qui conduis. Tu rentres par l'autre côté. Okay, ça suffit. Et en plus, allez. On s'est trouvé une super Lada pour y aller, et ça c'est quand même beau. On peut pas klaxonner avec la Lada. Est-ce qu'elle démarre? Elle démarre, parfait. Bon. Et ceux qui ont le bon oeil peuvent regarder la plaque d'immatriculation. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, il y a écrit Slow Shit sur la plaque d'immatriculation. Non, c'est juste Slav Shit. Slav Shit. Alors, c'est pas vers là. C'est pas vers là. Oh la vache, oh le tank. Ah ouais, non mais on est sur de la vas-y, Lada. Vas-y, avance. Tu peux démarrer, c'est bon. Vous remarquez à quel point elle est carrée. Non mais le design est vraiment super. Alors j'ai pu voir que si on prenait les virages trop vite, elle passait sur deux roues donc Ah ouais. je vais à gauche ou à droite? À ta gauche. Ah putain, la minimap. À ma gauche. Voilà, à ta gauche, voilà. Il y a un truc que je comprends pas, comment c'est possible de se mettre sur deux roues dans les virages, tu vas vite? Déjà comment c'est possible d'aller vite avec ça? Non mais t'as vu comment elle est surélevée? Attends, ça déconne c'est pas. C'est à partir de 30 km/h, ça elle surélève. Bah Lada 4x4, je t'avoue que j'en avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Ah c'est quasiment SUV. On se souvient, c'est pas celle-là la route. C'est pas celle-là. Ça, c'est le cul-de-sac. On n'est pas arrivé. Bah déjà elle roule, c'est pas mal. Ouais déjà elle roule. On va essayer de pas la planter. Franchement, elle a fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Hein. Ah ouais, non mais j'avoue, c'est plutôt bien. On peut esquiver les zombies et tout, c'est propre. En plus, c'est vrai que l'option qu'on a trouvé là pour à gauche décaler la vue quand on conduit, c'est pas mal. Décaler un peu oppressant, mais pas mal. Ah. Alors, en fait, il y a une option. Vas-y, toi tu conduis, moi je vais lui dire. Vas-y. Ça me paraît une bonne idée. Regarde. Affichage. Oh putain. Ouais, c'est plus que deux roues là, c'est carrément sur les portières. Hein. Eh, tu viens de rouler sur les fenêtres. Dans option du jeu, affichage panoramique. Ok. Tu peux cocher les deux, voilà, tu peux cocher les deux derniers. Alors, attends. Elle est toujours en état la bagnole? Ah bah elle a rien pris je pense hein. Elle a rien pris, comment ça? J'ai tout vu, j'étais là. Non, elle a bien pris quand même. Attends, je vais sortir, voilà, hop. Moi, mécano. Je reviens, je vais vomir, je vais faire les dents. Moi, mécano, je dis voilà, elle est à 100%, c'était parfaitement géré. On peut pas rentrer dedans, on peut plus rentrer par dedans. Par contre, vu les arbres qui bougent, je vous conseillerais de vous manier pour rentrer. C'est moi. Allez, hop, je démarre. Peut-être pas à cet endroit-là. Oh, j'ai bien vomi, merci le signe. De rien, c'est un plaisir. Bon, c'est je pars au nord, au sud. Ouais, là c'est pareil, gauche-droite, c'est comme t'as envie. Je pars du côté où il y a des zombies, du coup. Ah. On marque rouge sur rouge, ça fait classe, ça fait presque tuning sur l'avant du capot, du coup. Ah ouais. Doucement dans les virages. Oh putain. Des néons. Oh, c'est, la ouf. Vache. C'est ouf comment ça se conduit quoi. J'ai la petite goutte de sueur quoi. Tu sens que l'arbre de transmission c'est juste une barre reliée au roue. Ah c'est vachement bien simulé hein. Franchement y'a rien à dire. Un merde, quart de virage. Tour, la voiture fait un quart de tour. Je continue sur la grande route ou je tourne? Non je retourne à droite, McCoy à droite, là. À droite. Ah ouais, on tourne à... voilà. Je vais dézoomer un peu la map. Voilà. Excusez-moi. On respire. Ah, puis le bruit aussi, franchement, vraiment, c'est vraiment bien fait. Hein. Le bruit. Merde, ça tourne à gauche? Fiché. Non, ça remonte, ça continue de remonter. C'est bon. C'est pas ça le cul-de-sac? Je sais pas, il y a des panneaux, mais ils sont à l'envers là.
Je pense que c'est le cul-de-sac, ça, non? Bah ça dit c'est attention virage. Virage, va, virage là. Sec à droite. Tant mieux, c'est là où on veut aller à droite. En douceur, voilà. Ah, l'idée c'est que qu'on arrive, qu'on passe pas à Riverside pendant la nuit, quoi. Faudrait qu'on y soit avant. Bah écoute, je fais ce que je peux, hein. Il se trouve que moi, on me dit suis la route, je suis la route. Ah, je crois qu'on est reparti dans ce fichu cul-de-sac à tous les coups. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça pue un peu là. Qu'est-ce qui est marqué à la page 39 du mode d'emploi d'une Lada? C'est de la merde cette route là. C'est de la merde cette route. C'est pas par là. L'horaire des bus, putain. Bon, à demi-tour, je pense que c'est pas la peine de continuer là. Bah c'est pas grave, non, continue, c'est pas grave, on peut toujours rattraper si c'est pas le cul-de-sac. Ouais, c'est vrai que si c'est pas le cul-de-sac, ouais, c'est vrai. Et si c'est le cul-de-sac, et ben... On va dans l'os. Continue à pied. Ah, on... Oh putain. Oh putain. C'est quoi ça? Je sais pas. Tu veux que je rentre? Je voulais essayer de sortir, de contourner, mais... Ah, c'est la tour radio. Non, bon bah on va couper à travers la forêt. C'est Katox qui fait des blagues là. Non mais on va couper en, on peut couper en voiture. On va essayer de voir, ça peut peut-être passer si je longe là. Il y a un moment j'ai vu Apnée Chemin. Non pas là, pas là. Reviens sur la route. Attends, je tourne. Parce que de toute façon la Lada sur l'herbe elle va pas tellement avancer vite. Donc déjà on va se rapprocher. Comment fait-on pour avoir des pièces détachées de Lada? On roule ? On suit. C'est pas possible. Genre là ? Non, là ça part pas dans la bonne direction, ça part vers le nord. Faut partir vers l'est, continue. Essayez de refiler une lettre. Super. Mais c'est blague quoi. J'en senti Nada et t'es one show. Hein. Voilà, là, là dès que tu trouveras un chemin sur la gauche, tu t'engouffres. Là, y'a peut-être moyen. Ouais, y'a peut-être moyen, vas-y. T'es one show, vous pouvez fermer la porte. Tu veux que je descende pour que ça avance? Non, mais là, de toute façon, je vais rouler lentement là. Je vais pas prendre le risque. C'est bon, regarde, on la voit la grosse route. On la voit la grosse route. Ah, c'est beau. C'est beau. Allez, on y perd. Si on perd des portières, on essaie de trouver des témoins de Jéhovah pour mettre à la place. Parfait. Oh, je pense qu'il y en a plein dehors quoi. Ouais, non mais le bruit de moteur il est épique quoi. Allez, c'est bon à fond maintenant. Hein. Ah mais je suis à fond là. Vas-y, passe la troisième. Attends, parce que faut que je tourne sans que ça déconne là. Attention, là c'est le carambolage à mon avis un peu plus loin. Hein. Ouais, je le sens arriver le carambolage. De toute façon, la vitesse où tu vas. Après, je suis quand même à 90 miles par heure là, ça déconne pas là. Ah et oui. Alors la barre de vitesse ne bouge. Freiner, hein. La barre de vitesse ne bouge pas d'un centimètre. Hein. Et tu penses que si je freine, elle part pas en tête à queue comme une grosse saloperie? Je sais pas. Je peux pas te attends, dire. Attends, on va essayer. 90 km/h, attention, je vais me mettre au milieu des fois que ça déconne. Ah non, ça va. Franchement, ça va. Un miracle. Nada, au col des Pyrénées. C'est clair, un miracle. Ah putain. Ah, ça y est, c'est le petit carambolage. Et deux Lada au sommet d'un col des Pyrénées. Avec la Lada, tu peux passer au milieu, hein, de toute façon. Hein. C'est vrai, ça pouvait passer. Mais il y avait un zombie au milieu. De la science-fiction. Ouais, enfin, là, il y a des hautes herbes, à mon avis, ça va pas passer. Si cet épisode porte pas à pas le nom Lada dans un titre, moi je vais. Tu vas je grave rester coincé derrière une pervenche. Hein. Ah, tu veux passer. Passe entre les bagnoles, là, je pense, hein. Oh, bah ouais, je pense, ouais. Tort, putain. Oh franchement, elle est géniale cette bagnole, quoi. T'as vachement bien choisi la bagnole, hein. Ah bah carrément, hein. Essaye de passer pas là avec ton avec van, quoi. Bah oui, c'est clair. Bon, c'est parfait. Alors, Riverside, normalement, on va pas passer dedans, on va le contourner. Ah putain, y'a un autre carambolage, merde. Passer par là. Un beau petit camion là, tiens, ça donne envie ça. Putain, c'est chaud. Ah, il a l'air ça passe, t'inquiète. Ouais, ça va être tendu quand même, va falloir bien viser. Non, ça passe. Vas-y. Large. Il y avait au moins 2 mètres. À la panneau. Ah. Comment double Lada quand on est à vélo
Bah on pédale, non? On recule? On descend? Bah pédale encore. Mais c'est quoi ces carambolages là? Bah vas-y, c'est le dernier ça, c'est le dernier morceau là. La légende raconte que c'est une Lada qui a créé tous ces carambolages. Eh, ça passe? Sérieux? Ça... large, oh, quoi. La vache. Franchement, on aurait dû prendre une Lada dès le début de tous les épisodes, quoi. Et dire qu'ils emmerdaient les gens avec leur, leur carambolage, maintenant c'est terminé, ça gêne personne. Hein. En fait, t'as une voix au milieu, c'est pour les Lada. C'est ça. Ça fait pile poil la bonne taille. Regarde, même les zombies, ils s'écartent. Allez, hey, monsieur, là, faut pas rester là, monsieur. Hein. Ah, c'est regardez, la voie Lada ici. Un mec, il s'est mis au lieu de la voie des Lada, putain. J'avais plus ou moins dit droite, mais c'est pas grave. Ah, pardon, j'étais pas sûr. Ouais. Non, vas-y, va tout droit, on va rattraper. D'accord. Ouah, regarde-moi ça, contre... ce virage-là, cet angle de braquage de fifou. Par contre, Slan, si tu peux, évite de lui donner des directions au dernier moment, parce que s'il tourne, on va se retrouver sur le dessus ouais. de la bagnole. C'est vrai que le virage au dernier moment peut être tendu. Quand je le vois, malheureusement, moi, j'ai pas le droit de voir à l'avance comme lui, parce que je conduis pas. Ah ouais, d'accord. Ok, merde. Bon, pardon, j'avais pas la map chargée devant, c'était tout noir, du coup j'ai freiné, excusez-moi. Non, et puis ça te mettait des petits plots oranges. Non, j'avais juste un gros artefact noir, dégueulasse. Oh la vache. En fait, je crois que c'était tout droit, t'as bien fait. Ah. Oh là là, c'est beau. Tu peux passer la deuxième, y aller, hein. Vers l'infini et au-delà. Alors on commence à attaquer le réservoir d'essence, attention. Je suis à côté de toi, je regarde le compteur tour à 5000 tours, ça c'est un peu beaucoup, je fais juste passer la seconde. Mais non, je suis en cinquième là. Mais non, mais c'est vrai en plus, il y a vraiment que 3 vitesses. Hein. Oh la vache. J'avais pas fait gaffe, mais il y a le compteur de vitesse actuel et c'est bien sur 3. Ah ouais, c'est clair. Oh la vache. J'aurais pas voulu rater cet épisode. D'où le bruit. C'est qui a remis la clim là? Bon, j'ai faim et j'ai soif, mais bon, en même temps... Ouais, moi aussi, je commence à être déshydraté, là. En fait, je me demande si je suis pas en train de mourir, on m'a pas encore, ouais. À Riverside, je sais où on va s'arrêter, il y a une station essence avec un peu de chips et d'eau. T'inquiète pas, je suis médecin. Oui, c'est pour avant. C'est une fois que tu seras mort. Ouais, une fois que tu seras mort, je suis médecin. Hey, restez pas au milieu, monsieur. Tu peux pas passer la tête dehors, Katox, c'est pour faire le kéké, là. Ah, par contre, ce qui est génial, c'est que quand tu ralentis, tu restes en troisième. En fait, tu roules toujours en troisième. Tu démarres en troisième, tu roules à fond en troisième. Moi, j'avais une bagnole, une Ascona, on pouvait démarrer en seconde. Eh, je veux pas dire, hein, mais j'ai mon personnage qui est affiché en haut, commence à s'ennuyer. Ouais, c'est vrai que j'avoue. C'est là, stop. Passager d'une Lada, tu te fais vite chier quand même. Hein. Allez, je vais tenter un créneau. On va aller manger. On va dans la station, on va manger. T'en profites pour faire le plein? Ouais, parce qu'on doit être non, il est, la... il est plein là, le réservoir. Ah ouais, nickel. Disons que la barre commence à passer sur. Je crois que j'ai pas d'arme par contre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai pas d'arme donc je vous laisse. Ah, j'ai une casserole. J'ai démarré le moteur. Bah merde, pourquoi? Attends, j'allais vérifier. Il y avait un zombie, mais je crois qu'il a disparu. Ah oui, le moteur est allumé, ouais, je coupe. Après, si on laisse la clé sur le contact et que les gens s'amusent à démarrer le moteur. Il y a un zombie là. N'ayant pas d'armes. Eh mais. Lada, ça suffit maintenant. Tu t'arrêtes. Je te demande de t'arrêter. Bon, on l'ouvre cette porte là? Bon, alors il y a Katox qui a tout pété derrière. Il y a Slan qui est en train d'exploser la porte. Devant. Au marteau. Oh l'arnaque, c'est vide. Il y a une alarme qui s'est déclenchée. Quoi, y'a rien à bouffer? Il y a une alarme qui s'est déclenchée. Oui, c'est bon, t'inquiète. Ouais, non, le bâtiment est pleinement vide. Bah non, là y'a des yaourts. Là y'a des briquets, des cigarettes. Moi j'ai rien, c'est tout vide. Quoi? Bah moi j'ai du lait là. Oh par contre, y'a un zonzon avec un gros sac. J'ai bouffé du fromage, de yaourt et du lait. Je pense qu'on est bien. Y'a pas des glaces devant? Non, c'est vide. C'est pas vrai, y'a rien à bouffer. Ah, non mais tu penses bien que les zombies, c'est la première chose qu'ils ont pris, des glaces devant. C'est clair. Mais vous êtes connus, y'a plein de trucs là. Enfin, plein de trucs. C'est de la bouffe, voilà, mais...
Je vais prendre des bouteilles d'eau, tiens. Là, 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 il reste du beurre, des œufs, il y a du fromage fondu, il y a une bouteille de lait si vous voulez boire un peu. Il y a deux bouteilles d'eau même. Moi, je vois rien. Là, il y a des burritos, des muffins. Là, là, dans ce truc là, tu vois rien. Il y a de la viande séchée et tout. Dans ce truc là, il y a rien. Oula, y a un bug. Ah ouais, non, moi aussi, je vois de la viande séchée, des trucs du genre, ouais. Viande séchée, deux soldats à l'orange, deux bouteilles d'eau, deux menthe poivrée, deux allez-y, posez au sol. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de les prendre. Regarde là. Ah ouais, ça y est, je vois maintenant. Ah bah je vois plus. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui monte la garde d'or. Hein. Bah oui, oui, on compte sur toi. Écoute, nous, on s'occupe de vous ravitailler parce que vous voyez rien. Alors je mange des chewing-gums, mais ça va pas me nourrir beaucoup. Normalement, j'ai posé des chips. Ouais, attends, mais tu les as ramassés là. Non, c'est moi, c'est moi. Tiens. Voleur. C'est vrai. Bon, moi j'ai mangé. Là, y a des magazines automobiles. Il y a 6 journaux, ouais. Attendez, faut pas s'ennuyer. Mais des crapides parce que je me suis blessé au cou. Quoi? C'est vrai? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dehors il y a un peu de zombies. Non? Regarde, y'a rien. Ils sont tous attends, morts. Parce que je déchire des vêtements et je suis à toi. T'as pris de la bouffe, Katox, du coup? Non, vu que j'avais. Pour moi, c'était vide. Attends, ça, c'est bizarre, par contre. Je te pose des chips par terre. Oula, mais tu vas crever? Bah oui, quand je te dis que je suis blessé au cou. Eh ben voilà, c'est fait. Bon. Parfait, blessure mortelle, c'est bon. Je... Oh la vache, mais. Ouais. J'ai dû un peu. Je sais que je suis médecin et c'est avec plaisir. Par contre, mais c'est avant la mort. Voilà, c'est ça. Mais une prochaine fois, t'hésites pas à te mettre un bandeau autour de la tête. Hein. Enfin, du coup. Ou à dire help avant. Ouais, un peu avant. Allez, on y va. Genre, ouais, j'ai dit qu'il les zombies en approche. Mais il va peut-être mourir de faim en fait, Katox, du coup. Mais non, mais je lui ai filé de quoi bouffer. Allez hop, on trace avant de commencer à avoir faim, s'il vous plaît. On y va. Par contre, faut que j'aille boire. Oh là là. Excusez-moi, j'en ai profité pour déchirer des vêtements. Ah oui, fallait que je bois moi aussi, putain merde. C'est ça que j'étais venu faire avant qu'on m'appelle pour sauver la vie. Excusez-moi, ouais, mon mec est en panique. J'ai mangé le meilleur repas de ma vie, c'est-à-dire... Attention, parce que quand je vais démarrer, on va attirer toutes les zombies de la map, hein, donc... je vous invite à vous tracer. Non, faut rentrer par l'avant et aller derrière Katox. Y'a pas un code à faire pour entrer dans la dame? Si. Au bas gauche-droite. AB, AB. Allez, est-ce que ça démarre? AB, AB, ouais. Putain, au quart de tour, quoi. Franchement, c'est beau, la technologie slave. Et mon mec, il a soif. Non, prends la route. Y'a un calembrolage. Donc on tourne. On voit tout de suite ces voitures de flics qui ont brûlé. Hein. C'est bon, tu peux passer la vitesse. Ah non, mais j'ai jamais descendu en dessous de 3, t'en fais peur. Hein. Ouah, c'est quoi ça? Oh, des bagnoles de flics. Putain, y avait des flics avec des fusils à pompe et tout quoi. Ouais, mais bon. Mais parce qu'on approche sûrement de la destination, c'est pour ça. On est pas loin là. Enfin, on est un peu loin quand même, mais on est pas loin. Ah, attendez, j'ai encore un artefact noir. J'attends que ça charge. Il y a deux zombies derrière. Il y a trois zombies derrière. Ouais, bah je sais, mais la voiture juste n'avance plus donc. C'est pas faute de. Voilà. Hein. Alors fais attention, tu vas bientôt arriver à un pont où tu pourras pas passer. Voilà. À gauche, sur la voie ferrée. Sur la voie ferrée. Quoi qu'avec une Lada, si ça se trouve, ça passe. Tu veux que je tente? Non, gauche, c'est prévu pour ne pas passer. C'est prévu pour ne pas passer. Okay. Non, en vrai, ça se tente. Bah, à gauche, c'était tendu, à droite, j'ai pas regardé, mais. Ouais, non, c'était chaud quand même. Hein. Ouais, non, c'est chaud. À droite, ça passait pas. Hein. Tu peux reprendre la route à après gauche, ça... Ouais, tu peux reprendre la route. La Lada en provenance. Et à destination de Louisville, va entrer en gare, vitesse 3, éloignez-vous de la voiture du quai s'il vous plaît. Bon bah voilà, t'as plus qu'à continuer la route jusqu'à Louisville. Parce que je faisais quoi jusqu'ici? Oui, t'as pas changé beaucoup de route, à part au départ. Hein. Il me semblait aussi. Tu sais que dans Police Simulator, je pourrais te verbaliser pour faire parce que tu fais trop de bruit. Ah bah non, mais je ne fume pas moi. Non, mais par contre, tu fais trop de bruit quand même. J'ai remarqué qu'on pouvait. Et quand on croise des bagnoles dans Police Simulator qui font du bruit comme ça, tu peux les arrêter et les verbaliser.
Mais monsieur, j'ai une Lada. c'est disqualifiant direct, quoi. C'est juste une Lada. Faut faire gaffe, il y a des petites barrières sur le bord de la route, là. Et monsieur, le silencieux de votre voiture est mort. Non, monsieur, juste j'ai une Lada, c'est tout. Y'a pas de silencieux, y'a même pas de pot d'échappement. C'est directement en prise dans la... C'est ça. C'est directement en prise dans le chauffage. Si monsieur, c'est un moteur de tondeuse, oui, c'est une Lada. Si vous zoomez sur la bagnole, en tout cas pas pour celui qui conduit, vous remarquerez que le pot d'échappement, même le pot d'échappement, il est carré. Hein. Il est même pas rond. Hein. J'ai jamais vu un pot d'échappement carré comme ça. C'est un cube, le truc, quoi. Oh, vache. Non, mais franchement, elle est vraiment bien modélisée. Le mec, c'est déliré. Hein. Il y a même les petits, les petits rails anti-soleil sur le pare-brise arrière, là. Ah, carrément. Le truc horrible des années 50. En plus, mon oncle et ma tante en avaient une de Lada, donc j'ai connu hein, rouler dans une Lada. Ah oh là là, bah, t'étais petit, ça va, t'avais pas trop les genoux dans la gencive. J'ai toujours envie pour en parler. Non, ça va. Bah ouais, c'est ça. Pour en parler, ouais. C'était une Lada Roche, je crois. Aïe aïe aïe. Allez là. Allez. On y est presque ou pas? On y est là, bientôt. On est bientôt, ouais. Quand t'aura croisé la voie ferrée, on y sera presque. Franchement, on a quasiment de quoi faire le trajet 8 fois en termes de carburant, là, on est bien. Hein. Bah, c'est normal, ça peut pas consommer. Oh. Il y a même des ventilés, il y a même des lampadaires, c'est beau. Ça y est, là, on approche de la civilisation, lampadaires et tout quand même, c'est la classe. C'est clair. Et ah, dire qu'il y a des pays qui... Il y a un panneau qui dit que ça va tourner. Il est censé aller en charge. C'est bientôt la liberté. Les militaires vont nous ouvrir. Mmh. Tiens, bah tu sauras qu'il y a des pneus si jamais à un moment tu t'ennuies. Tu crois qu'ils iront sur une Lada? Moi je garde ma Lada jusqu'au bout de la série, là c'est bon. les pneus de caddie sur la Lada. Ça doit le faire. Hein. Ah, y'a moyen, ouais. Non, mais c'est quoi tous ces gens sur ma voie réservée là? Ça suffit un peu. Ah merde. Ça y est. Eh ben on est arrivé. Faut que je me gare à un endroit un peu safe, c'est ça? Bah ouais. Il Pourquoi t'as jamais ici. Allumé les phares en fait? Parce que j'avais pas vu qu'il faisait nuit. C'est une Lada, y'a pas de phare. Possible aussi, ouais. Attention, il se pointe, hein. Ouais, je vois ça. Oh, la petite musique qui se lance, là. Bon, je couvre vos arrières, hein. Ouais, j'ai juste une planche en bois, moi, donc... Moi, j'ai une casserole, j'ai un peu moins d'allonge que vous. Aïe, mais ouais. Pourquoi? Gatox. Oui, mais... Faites-moi voir, monsieur Katox. Ah, c'est qu'une égratignure. Vous êtes sûr? Bon, bah, c'est nettoyé. Mais ils foutent quoi, les militaires? Ils viennent pas nous aider là? C'est bon, normalement là. On nous a vendu du rêve là. Katox, tu peux nous ouvrir? Tu l'as changé ton bandage au cou, Katox? Pas encore. Bah, parce qu'il est même pas sale encore. C'est bon, t'as arrêté de saigner direct, tu es un bon médecin. Hein. Bah, ouais. Tu m'as dit que j'avais une hémorragie interne. La blague t'appartient parce que le sang est supposé être à l'intérieur. Tu peux ouvrir pour que la Lada passe? Ça devrait être possible. Merde, mais ils sont où ces militaires? Oh, je suis déshydraté, c'est l'heure de boire un peu d'eau. J'avais pris des bouteilles d'eau. Je passe en mode recherche, on sait jamais. Y'a des loups! C'est la merde! Ouvert. Je démarre. Restez pas proche, je démarre. Rien, j'ai des feux. Ils éclairent. Ah non, ils éclairent assez loin, ça va. Je veux dire, t'as des bougies. Putain, y'a plein de monde là. Ah bah c'est bien. C'est pas du tout des militaires, ça. Hein. Putain, on nous a encore envoyé du rêve pour rien, je parie. Vous voulez monter? Oh là là! Oh j'arrive, le nombre. Non? Bah non, du coup, je vais peut-être pas le finir alors. Et j'ai plus d'armes, voilà! J'ai l'impression qu'on pourra pas passer par là. Pourquoi? T'as dit que c'était safe. Il y a beaucoup de monde. Bah oui, c'est safe, mais de l'autre côté des grilles, on n'y est pas encore. D'habitude, t'as toujours raison sur ce sujet. Merde! J'avance doucement vers toi, Stan. Il y a aussi collé aux grilles, hein. On m'aurait menti? Ouais, non, mais t'es où là? Il y a beaucoup trop de monde là. Ouais, je sais, je suis au bout là.
faut que je traverse tout ça avec la Lada. Bon bah go. Je sais pas s'il faut traverser vraiment. Damned, accroche-toi à la portière. Essaye de venir à droite. Essaye de venir. Ah oui, je vois qu'il y a plein de monde là. Je vois qu'ils viennent, ils vont vers la droite. Je vais essayer de négocier les petits plots. Du coup, Est-ce que tu fonces dans le portail, salpette ? Dépose Katox pour qu'il ouvre. Je préviens, j'ai pas d'arme moi. Ouais. Je peux pas s'en faire, il faut que Damned sorte aussi. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais sortir. Allez-y, descendez. Et attire les zombies. Ah bah c'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Alors attendez, je les attire un peu. Merde, j'ai pas mappé le klaxon. Ravi d'avoir été utile. Bonne chance, on referme là. Il y a des militaires là, messieurs, excusez-nous. Laissez-moi passer avec Malada. Oh non, ils ont l'air d'avoir envie de se cogner partout. Vous voulez grimper ? Ouais. Bah ouais, vas-y, allez-y d'abord, hein, parce que moi je dois rentrer en dernier. Enfin, on s'en fout en fait, mais. Bon, je suis un Mirador, trop classe. Avance un peu peut-être, parce que là ils sont collés les zombies. Hein. Bah ouais, mais il y a Damned. Attends. Faut que j'aille dehors, derrière moi. Allez, voyez-vous ! Attends, j'avance un petit peu. Vas-y, fonce. Putain, bah non, on nous a envoyé du rêve là. T'es dedans, c'est bon. Monte, go. Je suis dedans. Oui. C'est les grilles ouvertes. Oui, c'est vrai. Sauvé par la Lada. Vous voulez qu'on y retourne? En fait, il y a des zombies aussi ici. Hein. Il vaut mieux qu'Atok soit devant. Putain. Si elle veut sortir en urgence. Yed, c'est le nouveau fermé. Vas-y Katox, fonce Katox. On te récupère derrière. C'est fermé. Surprise. Ah putain. Non. Attends, couvrez-moi. Non. Je toque. Non. Voilà. J'ai toqué à la porte. J'avance la Lada. C'est con parce que il doit y avoir des trucs intéressants là-dedans, mais t'as pas le temps de péter tout à la masse quoi. Attention, j'avance. Bon, on peut plus fermer la grille. Ouais. La Lada est avancée. Ah, il y a une caméra télé là. Du coup, c'était censé être safe, mais je vais enfiler mes fringues. Hein. Bah, c'est on a pas le temps vous de pointer ou pas ? Il y a peut-être des trucs. Bah, non, vu les bruits, il y a des trucs dedans qui essaient de les péter, donc. Ok, très bien. Au revoir. Tout le monde est là ? On est là. Ouais, on est là. Je vois pas Katox. Ah non, ok, c'est juste un bug d'affichage. Putain, faut aller avancer doucement. Ça passe à droite. Ça passe si tu prends la voie Lada. Oh, c'est vrai, ouais. Ça passe. La voie Lada. Bon, ça, voie c'est, Lada, ça y est, bah, je pense qu'on est arrivé du côté safe. Mmh. Ouais. Ouais, alors safe. C'est bien fait, hein. Il y a des petits burgers là. Et ah, tout. Il y a une store. Il y a des tentes et tout, comme si les gens. Bah, ça... Ouais, c'est trop classe. Ah, les chaises en plastique et tout. Oh là là, il y avait les tables de jardin barbecue. Et dire que tout ce monde là s'est fait enlever. Regarde, il y a même quelqu'un qui a enlevé le plot pour la Lada exprès quoi. Ça veut dire qu'un mec avec une Lada est déjà passé par là, on va peut-être le recroiser plus loin. Mais bah non, il y a pas de porte sur la route. Ah oui, c'est vrai. Par contre, c'est pas du tout aussi safe que ce que je pensais. Bah ouais, je veux dire que la radio, les zombies ils ont dû entendre et ils sont venus voir aussi quoi. Vous voulez dire que la presse raconte des conneries? Non, c'est pas possible. Encore une expérience du gouvernement ça. Bah oui. Non, bon, je vais tout droit, hein. Je sais pas où. Ouais, tu vas tout droit, ouais. Ouais, bah ouais, du coup. Bon, par contre, là, va y avoir de plus en plus de zombies, alors du coup. On va rentrer en ville. Puis c'est la nuit. Ça craint. Faut qu'on roule au moins jusqu'à la tombée du jour, que les zombies se calment un peu. Ouais, on devrait voir ce qu'il faut en carburant. Si jamais la carte arrive à charger. Parce que là, j'ai pas du tout ralenti. Hein. La ralenti parce que la carte ne chargeait pas. Moi, ce que je propose, c'est qu'on explique un petit peu ce qui va se passer. Vas-y, je roule. Alors, on va mettre fin donc à cette première saison, tous ensemble. On espère que vous avez apprécié. Cette troisième et saison, s'il te plaît. Cette troisième saison, première saison sur cette version du jeu. Et on vous propose d'expérimenter la vie dans la plus grande ville de la map. Et on va être dans la ville, là, au bord de la rivière, dans la ville, à côté d'un centre commercial. Et on va s'installer, voilà, avec tous zombies, les bâtiments autour de nous. Et de faire donc une nouvelle saison qui commencera dès le prochain épisode. Dans une ville sans zombies. Vous l'avez vu, on s'est préparé pour ça. On a un petit peu changé. Ouais, tu peux aller toujours tout droit, hein, c'est bon. Je roule. Et voilà, est-ce que ça vous dit, vous ?
Mais carrément. Non, s'installer et en plein cœur et tu m'en vais. Non, et je fais le TF4. Laissez-moi descendre. Je suis pas d'accord. Tu peux descendre. Appuie sur E. Adieu. Alors, l'endroit sur lequel on va s'installer, on vous invite vraiment à venir voir. C'est vraiment super classe. C'est vraiment super classe. Mais... c'est un super chouette endroit dans la map. Parce qu'en plus, vous avez vu le chemin qu'on a pris, les grilles sont ouvertes, donc vous prenez une Lada, vous prenez la voie du milieu. Voilà, il y a tout le tuto. Alors, y a plus la qu'à. Lada, elle est pas de base dans le jeu, ça fait partie des nombreux modes qu'on a rajoutés pour la prochaine saison, mais c'est quasiment tous des modes de véhicules en fait. Pour avoir plein de véhicules possibles et inimaginables. On en a déjà croisé quelques-uns. J'ai d'ailleurs trouvé un magazine qui permet de commencer à créer des protections sur la voiture. Ah, excellent, voilà, sur une de ces voitures. Ça va, pourquoi tu roules plus? Parce que la carte ne charge pas devant. Donc du coup, la voiture ne veut plus avancer. Tu roules trop vite. Ça y est, ça charge doucement. Avec une Lada, je comprends rien. T'as un processeur Lada. Non mais vous irez voir sur ma vue, c'est marrant parce qu'en fait, il y a une grosse barre de plots avec du noir derrière, genre des plots de chantier, et en fait les plots de chantier avancent au fur et à mesure. Ah ouais. C'est bizarre. Il va falloir que... Est-ce que tout le monde tient? Est-ce que vous êtes pas en train de mourir de faim ou quelque chose? Ça va, j'ai un petit creux moi, mais ça va. Ouais, ça va, j'ai juste marqué blessure critique. Wow. Ça va aller alors? Ouais, je sais que ça va. Putain, mais les mecs ils traversent au rouge là. Ça va pas du tout ça. Pas encore tout prêt hein. Merde, putain. Charge ma... On est devant le tribunal là. Ah oui. Et là, il y a une petite musique, donc c'est... C'est une ville qui a été ajoutée dans la toute dernière mise à jour. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est tout neuf. Ouais, ils ont l'air d'avoir bien bossé. C'est hein, pas parce à droite que... là, par contre. Non, je sais pas. Bah y a pas aller à droite là. Oh les lags. Bah ouais, je crois que là, par contre, le chargement, il va falloir qu'il le fasse au moins une fois et c'est bon. Je vais à droite là. Ouais, à droite là, ouais. On est quasiment arrivé. Bon, on va montrer. On va s'arrêter devant le bâtiment, on va faire un joli créneau et puis. Et puis on va se battre alors. On va mourir. Il y a des chances hein, parce qu'il y a pas de chance. Je pense qu'il faut pas t'arrêter devant le bâtiment, je crois qu'il faut qu'on les laisse là et que l'arrivée on la filme. Alors n'oubliez pas qu'il n'y a pas de zombies hein, donc c'est pas des zombies hein, c'est des gens normaux ça. On va tourner ici et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça marche. J'espère qu'il vous a plu et du coup bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle saison, une nouvelle vignette, une nouvelle aventure. Ciao tout le monde. À plus. En plus,